trois intentions. C'est le cas, en tout cas, dans ces premières secondes. Ils remontent le terrain là. Ils vont même pouvoir tirer. Frappe complètement ratée, mais ils récupèrent rapidement ce ballon. C'est bien fait, ça, il est de nouveau en position de frapper. Oh, la barre, ça s'envole, mais ça va retomber, ça revient juste dans les pieds de l'attaquant. La lucarne, le but pour le Burlesque Football Club. C'est un tout autre match qui démarre le Burlesque Football Club. On commence à y croire. Il récupère d'ailleurs le ballon. Il marque de l'avant. Ballon perdu. N'est pas pour longtemps. Il s'amuse devant la surface. Le tir. Le deuxième but. Le deuxième but pour le Burlesque Football Club. 3-2. La vie d'Avantime est piquée au vif. Là, il vont bien se reprendre. Mais le Burlesque Football Club est serein. Il les laisse venir. Attention quand même. Pas être très confiant. Mais tranquille du gardien. Long dégagement pour le Burlesque FC pour Dirty sur la droite qui trouve Mimi à gauche. Keaton peut s'avancer, le centre à but. Égalisation. On a vu là les gros points forts de cette équipe solide de la défense jusqu'à la pointe de l'attaque. Tout va jouer dans l'entrejeu maintenant et dans ce secteur le Burlesque Football Club déchire tout sur son passage. Il passe un premier rideau défensif, ils effacent les défenseurs les uns après les autres, mais la bonne couverture derrière ça ne passera pas. On va rester là, 3-3, tout va se jouer au tir au but entre le Burlesque Football Club et le suspense dans ce match. Le premier tireur se présente pour le dit avant-team. C'est fort et ça passe à côté. Le Burlesque FC pour mener maintenant dans cette séance. Le dit avant-team se présente pour l'égalisation. C'est fait partout. Le gardien du Burlesque s'est emmêlé les pinceaux. On ne sait pas très bien ce qu'il a voulu faire. Peut encore l'emporter sur cette toute dernière tentative. Le joueur se prépare, il pose son ballon et la butte.